On va vous habiller, c'est bon pour le moral, ça. D'accord? Et après, il y a une surprise pour vous. C'est le fauteuil roulant, allez-y. Voilà. Voilà. Voilà, faites-le rouler de gauche à droite pour voir vers moi. Allez-y. Voilà, de côté. Faites pas attention, ouais, ce sont des étudiants. Hein. Je fais ça pour vérifier si la position assise ne va pas lui donner des spasmes incontrôlables. Vous comprenez? Okay. Il faut lui mettre une tétière. Je suis désolé de vous infliger ça, Jean-Do, hein. Je suis vraiment désolé, hein. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. Vous êtes bon pour le fauteuil. Je suis bon pour le fauteuil. Okay. Merci du verdict. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, la surprise. Formule. Quelle horreur! C'est ça la surprise? De me voir? C'est pas une magnifique surprise, votre première visite, c'est votre femme. C'est pas hein? Ma femme, c'est la mère de mes enfants. Voilà, il comprend tout. Il comprend tout. Alors posez des questions auxquelles il puisse simplement répondre par oui ou par non. D'accord? Il cligne de l'œil. Alors une fois pour oui, deux fois pour non. D'accord. D'accord. Voilà, je vous laisse. Ah oui, attendez, alors très important, il faut que vous lui parliez comme ça, pile dans l'axe. Ok? Parce que si vous vous mettez là, il ne voit plus. Et si vous vous mettez là, il ne voit plus non plus. Il faut que vous parliez comme ça. Hein, Jean-Do? Et je vous laisse. Vous avez sûrement un tas de choses à vous dire. Enfin. Tout le monde prie pour toi et t'envoie des prières.